Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le projet de fin de session numéro 2. Donc, en gros, je vais vous expliquer le fonctionnement de notre projet. Donc, c'est un système de domotique qu'il fallait concevoir. Un système de domotique ou un système d'automatisation d'une maison, par exemple. Donc, on a un simulateur pour simuler une pièce d'une maison. On a le système principal et on a l'interface PC qui contrôle notre système. Donc, notre système peut être aussi contrôlé par un clavier 4x4 et peut même être contrôlé sans fil. Donc, je vais vous expliquer tout le fonctionnement dans la vidéo. Donc, je vais commencer par vous faire une démonstration du fonctionnement. Ensuite, je vais vous expliquer comment qu'on l'a fait, les matériaux choisis, les composantes. Et finalement, un peu de programmation, comment que le code, on a décidé de le composer. Donc, comme vous voyez ici, c'est le système principal de mon système de domotique. Donc, on a ici toutes les composantes nécessaires sur la plaque d'essai pour contrôler le simulateur qui est là. Le simulateur, en fait, avec la base noire ici, c'est ce qui simule la pièce d'une maison. Donc, on a la lumière, on a le chauffage représenté par une résistance ici. Parce qu'en fait, un calorifère, par exemple, c'est une résistance qui chauffe. Ici, on a une ventilation pour abaisser la température de la pièce. On a aussi un capteur de lumière ici que lorsqu'il fait trop sombre, la lumière allume. Donc là, en ce moment, on est en mode automatique. Donc c'est pour ça qu'elle allume lorsqu'il fait noir. Donc c'est vraiment la représentation miniature d'une maison pour nous aider à simuler le système de domotique. Donc ici, on a le microprocesseur avec de la mémoire qui sert à contrôler le système que lui contrôle la domotique. Donc, contrôle la pièce de maison. Donc, premièrement, comme vous voyez à l'écran, vous avez l'affichage PC, donc du système qui marche en temps réel. Donc, comme vous voyez en bas, dans le coin en bas à gauche, il est marqué A. Si j'appuie par exemple sur la touche M de mon clavier PC, vous allez voir, ça va changer pour manuel. Donc, si j'appuie sur M, vous voyez que ça passe sur manuel. Si je passe sur A, ça passe sur automatique. Donc, on peut facilement changer entre manuel et automatique de notre système. Donc, on a aussi le clavier ici qui sert d'interface. Au lieu du clavier du PC, on peut servir de ce clavier-là. Donc, on passe sur C ici pour passer en manuel. Et on passe sur A pour passer en automatique. Donc, ensuite, on a, si vous voyez sur la même ligne, qui se rafraîchit tout le temps, on a la température affichée en hexadécimal qui est captée par le capteur de température ici. Donc, le capteur de température lit une valeur qui est décodée par un convertisseur analogue vers digital. Donc, la donnée reçue par le microcontrôleur, c'est une valeur digitale, numérique si vous voulez, et est affichée en hexadécimal et en décimal juste à côté. Donc, ensuite, on a la température maximale qu'on veut qu'il soit affichée, qu'on veut que notre pièce soit, en fait. C'est la température maximale à laquelle on veut que notre système reste. Donc, par exemple, là, c'est 115. On a la température minimum, donc 90. Et ensuite, on a chauffage à off, ventilation à off, lumière à off. Donc, comme là, il est en mode automatique, si, par exemple, la température ambiante est de 93 degrés, si la température ambiante est plus basse que la température voulue, donc le 90, là, le chauffage va partir. Donc, par exemple, on va simuler, voir si la température, si on augmente la consigne de température, donc on est en automatique. Pour augmenter la consigne de température, on appuie ici. Donc, vous voyez, à chaque fois que j'appuie, la consigne minimum augmente. Donc là, il fait 96. On veut qu'il fasse 97. Et la température ambiante est de 94-95. Donc vous avez vu que dès qu'on a dépassé la limite, la lumière ici est allumée. Donc, ce qui signifie que on a parti le chauffage et maintenant il est refermé puisque le chauffage est à bonne température. On peut faire exactement la même chose avec la ventilation. Donc si j'abaisse ça ici, la température, la ventilation, vous allez voir, le ventilateur, il vient de partir jusqu'au moment où ce que la température est adéquate. Donc, c'est le système automatique qui fonctionne très bien et encore, on a la lumière qui fonctionne bien aussi. Donc, là, il y a l'autre partie du mode automatique, c'est que si, par exemple, on a le système fonctionne
par lui-même. Mais si on veut intervenir manuellement sur le système, par exemple que je décide d'allumer la lumière, vous allez voir, il y a un décompte, il est marqué lumière off, là il y a un décompte qui descend. Ce décompte-là, c'est qu'il va laisser la lumière allumée pendant un délai, et ensuite il va retomber dans son mode automatique par la suite. Donc cette fonctionnalité marche là avec toutes les trois options, donc avec la ventilation, le chauffage et autres. Donc comme là on essaie d'abaisser la température manuellement, mais automatiquement le chauffage va augmenter aussi, donc ça cause un petit conflit, mais ça démontre que le système est vraiment autonome, puis il est quand même assez intelligent pour voir si la température est plus basse ou plus haute que la température voulue. Donc ça, c'était pour le mode automatique. Donc le mode manuel, ça fonctionne super simple. On peut ici, pour avoir le mode manuel, on peut allumer ou éteindre les vous voyez, quand il y a des LED qui allument, ça veut dire qu'on actionne physiquement les modules. Donc lorsqu'on allume ou éteint le chauffage, allume ou éteint la ventilation, allume ou éteint la ventilation, donc et la lumière, pareil, comme ça ici. Donc on peut vraiment contrôler avec la matrice ici nos différents périphériques de contrôle. Donc comme vous avez vu, tout fonctionne ici, le système fonctionne sur 5 volts. Ici on est sur 12 volts pour représenter l'alimentation secteur, parce que normalement ça serait ici ça serait branché sur 120 volts. Mais vu qu'on fonctionne avec de l'électronique de basse puissance, on met seulement 12 volts maximum. Mais vu que c'est des relais, on pourrait facilement mettre 120 volts si on voudrait l'adapter à un système d'une maison fonctionnelle. Donc finalement, la dernière option qui est possible, c'est que maintenant on peut contrôler le système de domotique avec le clavier du PC. On peut contrôler avec le clavier ici, le clavier matrice, mais aussi on peut le contrôler sans fil. Donc je vais vous présenter mon système. Donc par exemple, vous voyez, j'ai un téléphone cellulaire qui est là. Si je compose mon numéro de téléphone pour appeler mon cellulaire qui est là. Donc lorsque je compose le numéro, il va falloir que je décroche la ligne sur mon téléphone cellulaire, et ensuite par la suite je vais pouvoir transmettre, lorsque j'appuie sur un bouton, je vais pouvoir transmettre ce que je veux à mon système. Donc là je réponds ici. Lorsque j'appuie, par exemple, vous allez voir, on va se mettre en mode, on est en mode manuel. Si j'allume la lumière, donc comme vous voyez, c'est un système quand même assez intelligent. Donc on peut très bien afficher tout ce qu'on veut. Donc lorsque j'appuie sur le dièse ici, vous voyez que à votre écran, ça change entre manuel automatique. Donc c'est vraiment sans fil. Donc comme je vous dis, c'est pas la meilleure technologie pour faire du sans fil, mais ça fonctionne très bien quand même. Donc comme vous voulez, vous pouvez l'adapter vous-même à votre propre système de domotique, mais je vais le mettre sur le schéma, mais vous ferez comme vous voudrez. Donc notre système, il fallait respecter certaines contraintes matérielles afin d'être évalué de façon juste. Donc premièrement, il fallait utiliser la plaque de développement ici qui contient le microcontrôleur de la famille 8051. Donc et aussi sur cette plaque de développement là, il y a aussi de la mémoire 30 000 octets. Donc avec ces 30 000 octets là, on peut en fait emmagasiner la température dans cette mémoire là. Donc à chaque 2 secondes, il fait l'acquisition de température avec le convertisseur ici et le met dans la mémoire. Donc par la suite, on peut faire un graphique de la température en fonction du temps. Donc c'est vraiment pratique. Et par la suite, il fallait utiliser différentes composantes. Par exemple, ici un clavier matrice pour représenter le clavier du PC, donc de l'ordinateur. Et il fallait utiliser des 7 segments pour représenter l'affichage de l'ordinateur. Donc avec un système comme celui-là, on n'a pas besoin nécessairement de l'ordinateur.
on peut s'en servir de façon autonome. Donc, ça rend le système plus autonome et on peut s'en servir sans ordinateur. Donc, avec l'ordinateur, on a l'interface du terminal, donc la communication série, mais on peut l'utiliser sans cette interface-là, sans aucun problème. Ensuite, on a ici, on a deux comparateurs. Donc, c'est un circuit de comparateur. Ce que ça fait, c'est que ça compare la valeur de la lumière avec une autre valeur de lumière. Donc, dans ce cas-ci, il fait un diviseur de tension avec la photorésistance qui est là. Donc, en mode automatique, si je cache la photorésistance, la lumière allume. Donc, comme c'est ici, vous voyez. Donc, ça fait, en utilisant des comparateurs comme ceux-là, on aurait pu le faire de façon logicielle en programmation, mais c'était une contrainte matérielle à avoir dans notre circuit. Donc, aussi, on utilise des latches. Donc, c'est des circuits qui permettent d'emmagasiner l'ancienne valeur, soit une valeur 1, soit une valeur 0. Et nous autres, on l'a branché sur l'horloge. Donc, lorsqu'on appuie sur le bouton, ça donne un coup d'horloge sur ce circuit-là. Donc, la donnée peut être en sortie. Donc, avec ces circuits-là, on n'a pas besoin de tenir le bouton pesé. Donc, on peut seulement peser une fois, comme ça, et ça allume. Tandis que sinon, il aurait fallu, si on n'aurait pas utilisé ce circuit-là, il aurait fallu tenir le bouton il aurait fallu tenir le bouton pesé pour que ça fonctionne et le tenir pesé si on verrait que ça fonctionne encore. Donc, comme ça, on peut seulement peser une fois et tout fonctionne bien. Là, mon système automatique, en fait, ce qu'il fait, c'est que il part parce que en pesant ici, il change l'état. Puis il va s'arrêter automatiquement, comme vous voyez. Au bout de 10 secondes, il s'arrête automatiquement, comme je vous l'ai démontré tantôt. Donc, le système sans fil était non nécessaire. Je vais vous l'expliquer quand même. C'était pas une contrainte matérielle, c'était seulement comme un bonus. Donc, c'était de plus. Donc, si on voulait le faire, donc c'est un système avec un petit circuit qui utilise DTMF, donc Dual Tone Frequency, DTMF, donc Modulation Frequency. Donc, c'est pour lorsqu'on appelle avec un téléphone cellulaire, la fréquence est passée par la fréquence des touches. En fait, il y a une fréquence bien précise pour chaque touche du téléphone, du clavier du téléphone, qui est transmise par la prise jack ici, qui est reçue par mon petit circuit ici. Donc, le petit circuit décode la touche pesée et l'envoie au microcontrôleur. Et ça fait exactement le même principe qu'avec le clavier matrice qui est là. Finalement, on utilise des relais, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, pour contrôler les différents contrôles qu'on a ici. Donc, pourquoi on utilise des relais? En fait, c'est juste pour qu'on puisse éventuellement, si on veut, le mettre sur une maison. On peut seulement brancher le 120 volts. Et ça va fonctionner très bien. Tandis que si on aurait branché tout notre système ici sur 5 volts, on n'aurait pas pu le brancher sur 120 volts. Donc, c'est juste pour qu'il puisse être transportable dans une réalité. Donc, sur 120 volts, 240 pour les Européens. Et exactement, c'est juste pour cette raison-là. Donc, pour en arriver au résultat de programmation, il a fallu, encore là, on avait certaines contraintes logicielles à respecter. Donc, pour parler à nos différents circuits sur le projet, il fallait utiliser les bus de données et les bus d'adresse. Qu'est-ce que les bus de données et les bus d'adresse? En fait, c'est pas tous les microcontrôleurs qui en possèdent, dont les PIC, la famille des PIC, ils en possèdent pas tous. Et je suis pas sûr qu'ils en possèdent, en fait. C'est surtout les PIC, c'est surtout des microcontrôleurs qui utilisent des signaux de contrôle, donc les bits de port pour contrôler différents appareils. Les microcontrôleurs dans la famille 8051, comme celui-là ici, utilisent les bus de données et bus d'adresse pour parler à différents circuits. Donc c'est une autre façon de communiquer qui fonctionne bien aussi. Il faut juste la comprendre. Donc je vais vous l'expliquer rapidement. En fait, on a les données qui circulent sur ce bus-là, qui est commun à tous nos circuits. Donc, comme par ici, par exemple, ici, on a un bus de données de 8 bits. Donc, on peut parler à 8. On peut parler avec 8 bits en même temps. On pourrait parler à différents, plein de circuits, mais ça va toujours être en communication 8 bits ou moins. Donc, ça peut être 4 bits, ça peut être 8 bits, mais ça ne pourra pas être plus que ça. Et on a les adresses ici.
et les adresses. Par exemple, nous autres ici, on a sur le microcontrôleur qu'on a, on a 16 lignes d'adresses, donc de A0 à A15. Et on peut communiquer avec plein de circuits avec différentes adresses. Donc en fait, qu'est-ce qu'une adresse? Qu'est-ce qu'une donnée? La donnée, ça va être par exemple la valeur de la température. Donc par exemple ici, convertisseur analogue digital va lire une température, va l'emmener sur le bus de données et va l'amener au microcontrôleur. Donc ça, c'est par exemple une donnée. La donnée peut être aussi envoyée sur le circuit. Par exemple, là je ne l'ai pas mis ici, mais notre affichage segment, on prend la donnée du microcontrôleur, on l'envoie sur le bus de données et on l'envoie sur le segment par la suite. Donc le bus de données, il peut être in puis il peut être out. Donc c'est bidirectionnel qu'on appelle. Et donc les données peuvent transférer d'un bord ou de l'autre. Le bus d'adresse, lui, c'est différent parce que le bus d'adresse, lui, il va seulement choisir le bon circuit à qui parler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce genre de technologie-là, on ne peut pas parler à plusieurs circuits en même temps. Parce que si tu envoies une température puis que tu lis un bouton en même temps, vraiment en même temps, la donnée ici sur le bus de données va être vraiment mêlée parce qu'il va y avoir deux données en même temps sur un même 8 bits. Donc ça se peut pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est lire. On pourrait le voir un peu comme du multiplexage, mais c'est pas vraiment ça. Mais donc on va lire à un certain moment ce circuit-là. À un autre certain moment, on va lire ce circuit-là. Donc ce que ça va faire, c'est qu'on va envoyer cette adresse-là bien précise, 0xFC00. Vu que c'est 16 lignes d'adresse, on a une adresse avec 4 valeurs hexadécimales. Donc, on va envoyer cette adresse-là. Là, le microcontrôleur va savoir qu'il va lire ce circuit-là bien précis. Ensuite, on va envoyer cette adresse-là ici. Il va aller lire ce circuit-là. Donc, il va faire ça vraiment un à la fois, mais ça va tellement vite qu'on pense que ça va tout en même temps. Mais ça, il va vraiment un à la fois, il va lire cette adresse-là, il va lire ce qu'il y a à sur ce circuit-là, il va faire exactement le même avec lui. Donc c'est vraiment un système de communication vraiment pratique parce qu'on peut connecter différents, plusieurs circuits tout ensemble qui fonctionnent sur 4 bits ou sur 8 bits. Donc par exemple ici j'ai une erreur parce que c'est pas 8 bits mais c'est 4 bits. Donc celui fonctionne sur 8 bits, lui c'est sur 4 bits, le décodeur de clavier matrice. Donc je vais vous présenter un peu le code qu'il a fallu faire par fonction, qui est très long en fait, le code est vraiment très long. Mais je vais vous présenter un aperçu. Si vous voulez la version complète, allez sur mon site pbelectronique.com. Donc comme je vous dis, le code est vraiment long. Il a fallu le faire à deux afin de parvenir à un résultat. Comme je vous dis, on utilise beaucoup de fonctions afin de contrôler différents périphériques. Donc vu qu'on pouvait les diviser par exemple le clavier matrice ou la lecture du clavier sans fil ou l'affichage segment, on a pu faire des fonctions distinctes afin de mieux que le code soit plus lisible. Donc on a une fonction manuelle, automatique, affichage, mais là je ne les présenterai pas tous. On a aussi le transfert de l'historique lorsque je vous parlais qu'on emmagasine la valeur de la température à chaque 2 secondes. Cette fonction-là, c'est à ça qu'elle sert. Donc, par la suite, c'est en ayant plein de fonctions comme ça, notre fonction principale, le main, est beaucoup plus court parce qu'on fait juste appeler plein de fonctions. Donc, le main, vous voyez, while 1, ça veut dire c'est la boucle sans fin ou ce que le programme fait sans cesse. Donc, vous voyez de la ligne 103 à la ligne 136, donc c'est juste ça. Le main, la fonction principale, c'est 30 lignes, mais ça appelle beaucoup de fonctions. Donc, c'est ce qui fait que le programme, parce que le cœur du programme se concentre dans les fonctions. Donc, le main, c'est vraiment juste, qui sert juste à appeler les différentes fonctions. Donc, je vais passer très rapidement. Je vais vous montrer, par exemple, ici, lorsque je vous parlais que avec les données et les adresses. Donc lorsque, par exemple, lire ADC, c'est la fonction qui lit la température du convertisseur analogue digital. Donc cette fonction-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va aller à cette adresse-là, comme je vous parlais tantôt, 0xFC00. Donc là, ce que ça fait, c'est que le microcontrôleur va aller parler uniquement à ce circuit-là sur le système. Il ne parlera pas aux autres, il va aller sur ce circuit-là précisément.
il va aller démarrer la conversion en mettant 0 sur ce circuit-là. Par exemple, ça démarre la conversion. Puis là, lorsqu'il va avoir fini sa conversion, il va aller lire à cette adresse-là. Ça, c'est un pointeur qui dit d'aller chercher la donnée à cette adresse-là qui réfère à FC00. Donc, il va aller lire cette adresse-là. Il va prendre la donnée, il va la mettre dans une variable. Et on va retourner cette variable-là dans le main afin d'afficher ou de prendre en acquisition de température cette donnée-là. Donc, par exemple, juste ici, on va prendre la donnée UC température qu'on avait plus bas, puis on va la mettre dans UC temp. Donc, cette valeur-là, on va pouvoir la réutiliser pour faire l'affichage ou, par exemple, vous voyez, on le réutilise ici dans le mode automatique. On le réutilise un peu plus bas dans l'affichage d'état. On le réutilise un peu partout afin d'afficher tout ce qu'on veut. Donc, c'était un exemple de code. Donc, comme je vous dis, le programme est vraiment long. Je crois qu'on dépasse les... On dépasse les 1000 lignes de code en C. Donc, c'est vraiment un programme qui est long. Il va être disponible sur mon site internet pbelchronique.com si vous êtes intéressé. Donc, allez vous abonner et allez chercher le code, le schéma pour reproduire le projet chez vous. Donc, n'oubliez pas d'aller sur pbelchronique.com pour aller chercher tous les schémas, tous les codes du projet si vous voulez le reproduire chez vous. Donc, c'est un système qui est, il a l'air complexe, mais avec les schémas, les codes, vous allez être correct pour le reproduire comme vous voulez. Et à partir de là, vous pourrez mettre les modifications que vous voulez. Je vous suggère de le faire. C'est un système qui va être vraiment pratique à utiliser. Pour plus de projets, allez aussi sur pbelchronique.com.